Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va vous présenter le nouveau jeu Mario Party. C'est le Mario Party Superstar. Ouais, que t'as eu à Noël. Oui. Il y a plein de sympas petits jeux. De mini-jeux sympas, ouais. Peut-être. On va voir ça dans un instant. Je suis pas tout douée, mais bon. Allez, c'est parti. Facile de faire la fête avec Mario Party. Plonger dans les plateaux Nintendo 64 refait à neuf, remporter des mini-jeux, surmonter toutes les sortes d'épreuves surprenantes et devenir la superstar. Comprend 100 mini-jeux tirés des épisodes précédents de la série, jouables avec les boutons. Jusqu'à 4 joueurs peuvent faire la fête en ligne. Tous les plateaux et mini-jeux sont jouables en ligne et entre amis. Vous pouvez essayer d'affronter des joueurs du monde entier en match aléatoire. Voilà. Le derrière de la boîte. Comprend 100 mini-jeux. J'ai tout lu. Et donc, voilà comment se présente le devant de la boîte. Voilà. Donc, on ouvre et on met la petite gâchette dans la boîte, dans la Switch. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Donc Sandro va allumer sa Switch. Voilà. Donc voilà, là vous voyez tous les jeux que j'ai. Et donc le jeu qui nous intéresse, c'est celui-là. Bon, là il va jouer tout seul. Attendez. On quitte. Donc voilà comment ça marche. Vous avez trois choix. Soit jeu hors ligne, soit multijoueur local, soit jeu en ligne. Nous, on va jouer jeu hors ligne. Donc tout seul, Sandro. Voilà. Mince, c'est pas tactile. Si, c'est tactile, mais bon. Donc on a directement les noms si vous avez une session invitée avec, si vous voulez jouer avec plusieurs personnes. Donc, Voilà comment ça se présente. Alors, ça vous rappelle des souvenirs? C'est avec ce tuyau que vous avez commencé l'aventure pour devenir la superstar. À moins que vous n'ayez tout oublié, ce n'est pas grave. Après tout, cela ne date pas d'hier. Entrez dans ce tuyau et le voyage recommence. Ça y est, le moment a enfin venu. J'imagine que je reprends du service. Où peuvent-ils bien être? Il est presque l'heure. Cela fait si longtemps. Ce cher Koopa. Il a l'air un peu. Oh, j'ai pas vu la suite. C'est à bloquer sur Koopa. Ah, voilà, tout le monde arrive. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde d'être là. À l'aide de ce tuyau, nous pouvons partir à l'aventure. Voyons qui sera la prochaine superstar. Nous verrons même des paysages familiers qui nous n'avions pas visités depuis longtemps. Ne perdons pas de temps, vieux habitués ou nouveaux arrivants. Voyageons vers le monde de Mario Party. Donc voilà, Mario Party Superstar. On va vous mettre un escalier de jeu. Attendez. Donc voilà comment se présente la interface. Donc là, c'est les Mario Party. Est-ce que ça a synchronisé ce qu'on a fait? Donc voilà, je vais vous présenter les 5 plateaux de Mario Party. Donc moi, je suis toujours Yoshi. On va mettre Peach, Luigi et Birdo. Voilà. Allez, on va les mettre sur normal. Donc voilà les plateaux. Il y a l'île Yoshi Tropical Island. Space Land de Mario Party. Là, c'était Mario Party. Mario Party 2, difficulté 2. Mario Party, difficulté 3. Birthday Cake de Peach. Woody Woods, difficulté 4, c'est la forêt ça.
Et difficulté 5 de Mario Party, le pays de l'horreur. Donc, difficulté 5 sur 5. Donc ça, c'est les plateaux. Niveau difficulté des personnages. Et donc les plateaux, ça se joue soit en 10, soit en 15, soit en 20, soit en 25, soit en 30 tours. Ensuite, là, il y a le magasin de Toad. Est-ce que j'ai pas... J'espère que ça va pas faire recommencer. Voilà, là, si vous avez vu, j'ai déjà 3389. Par exemple, je peux acheter ça. Allez, j'achète. C'est des nouveaux stickers, j'imagine. Parce que quand on joue, on peut parler avec des stickers. Je vois là tout ce qu'il y a là, comme là. Donc ça me paraît long. Hein. Que 20 lui, coûte pas cher. Je pense pas que j'aurai assez de pièces pour tout. Donc vous voyez là j'achète plein de trucs. J'ai bientôt plus de pièces. Et après je vais vous présenter les mini-jeux. Il y a 1800 mais il n'a plus de pièces. Ça dépend, ça descend super vite. J'espère que c'est bon avec tes achats. Voilà, regardez, il n'y a presque plus de sous. Page d'harmonie, chacun a sa page. Page Donkey Kong, page Birdo, page Toad, page Toadette. Tout ça, c'est des personnages qu'on n'a pas encore. Page Bowser. Ah, il t'a plus de sous. Bowser Jr. Voilà, ça se termine là. Voilà, donc là, j'ai acheté des autocollants. Je crois que je les ai tous achetés. Oui, voilà. Les motifs des cartes, je les ai tous achetés. Oui, j'en suis à l'encyclopédie. Regardez toutes les pages de l'encyclopédie, c'est le plus long. On a tous à acheter. Et les musiques, il n'y en a pas beaucoup, j'aurais dû acheter d'abord les musiques. Ouais, mais c'est un peu cher. Ouais, 510. Bon, voilà, là j'ai dépensé mes pièces. Donc là, on va vous présenter les mini-jeux. Maison des données, voilà. Maison des options. Allez, je vais vous présenter les mini-jeux. Je vais définir un nombre de points. Vous voulez qu'on en fasse un petit? Allez, ben, et un petit, après on se quitte. Donc, ça y est, le jeu est chargé. R, levé, blanc. Je le vais avant même qu'il lève le drap. Voilà, c'est simple. Allez, on va lui. On est, c'est tous fait avoir. Bon, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. On va laisser Sandro finir sa partie. Moi, je suis niveau 23, comme vous pouvez voir. J'ai passé 6 heures sur le jeu. Et donc, voilà. Bon, au revoir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Salut.